Coucou à toutes et tous, donc me revoilà pour un tirage flash, donc avec l'oracle de vous à moi, de Claude Alexis. Donc allons-y, comme c'est un tirage flash, je ne vais pas perdre de temps. Alors on va demander à nos guides, à nos anges, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages clairs, hein, des conseils pour les personnes qui regardent ce tirage, qui ont besoin d'être guidées. Merci mes anges, mes guides, de me donner des messages clairs. Donc comme d'habitude, je vais faire sur trois lignes de trois cartes pour commencer. Alors, allons-y. Alors, mince, je recommence. Alors mes guides, mes anges. Quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner. Alors, on a la nouveauté. On va partir sur la nouveauté. Un coup de chance. Une opportunité, là. Alors, par rapport à quoi? Ah, pour une femme seule. Bien. On a la personne âgée. On parle de jeu pour cette femme âgée. Ah, d'échec. Mince. D'accord. Nous avons l'héritage. Le bureau. La protection. Alors, il y a peut-être une opportunité, hein, de quelque chose de nouveau. Je pense qu'on est sur trois situations différentes là. Ouais, là, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau. Une opportunité, en fait, pour une femme seule, une femme peut-être brune, moi je dirais, et on a cette femme âgée qui aime peut-être les jeux, hein, qui aime jouer, apparemment elle va être en échec, hein. En échec, hein. Ouais, où il y a un jeu en fait, peut-être un jeu malveillant en fait, hein, qui va la mettre dans une grande tristesse, cette femme âgée. Donc ça peut être une maman, votre maman, votre grand-mère, hein. Ouais, apparemment on joue avec, hein. On joue avec et ça la met dans une grande tristesse, hein, cette femme, hein. Et là on parle d'héritage, de fin de situation. Dans un travail de bureau, hein, c'est protégé. Quelqu'un va mettre fin à son travail, peut-être que va démissionner, mais je pense que en mettant fin, il va y avoir aussi une prime, hein, de fin de contrat. On voit, il y a la protection là. Hein. Ouais. On parle de. Ouais, il y a la protection malgré les obstacles. Hein. Alors. Mes guides, mes anges, je vais retirer trois cartes pour préciser un petit peu. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages? Alors là, pour la nouveauté, pour la personne qui va avoir une opportunité, pour cette femme seule, hein, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner une précision, s'il vous plaît, pour cette femme seule? Merci mes guides, mes anges, de me donner une précision. Quelle est cette opportunité de renouveau pour cette femme? Ouais, on parle de changement. Alors, mes guides, mes anges, quel est ce jeu qui met dans la tristesse cette femme âgée? Merci mes guides de me donner une précision par rapport à cette femme. Ouais, alors on parle quelqu'un qui lui crée des ennuis, hein, qui joue avec elle. Hein. C'est l'homme en noir. Hein.
C'est un homme néfaste, hein. Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner une précision par rapport à la fin d'un contrat de travail, de bureau? Alors, apparemment, vous êtes peut-être une femme blonde. D'accord. Donc là, il y a vraiment un changement de contrat. La fin d'un contrat. Je vois une prime. C'est protégé, pour une femme blonde. Donc, qui avait sûrement besoin. Là, il y a vraiment un homme qui est néfaste, qui joue un petit jeu, qui met dans une grande tristesse cette personne âgée. Donc, peut-être que c'est votre maman, votre grand-mère. Vous voyez, vous mettez ça par rapport à votre situation, si ça résonne en vous. Et là, on a un changement, un renouveau, parce qu'une femme seule va avoir une opportunité. Donc, là, c'est plutôt positif. Là, c'est très négatif. Moi, je vais aller... Je vais prendre l'oracle G pour avoir des précisions. Alors, mes guides, mes anges, des précisions pour ces trois situations, s'il vous plaît, mes guides. Pouvez-vous me donner des précisions pour ces trois situations, mes guides, mes anges? Merci de me donner des précisions pour les personnes qui regardent ce tirage. Pouvez-vous me donner des conseils? Alors, je partage en trois. Ok, et on va aller voir les messages. Ouais. Alors là, j'ai un homme assez âgé. Peut-être que c'est cette opportunité, hein. Un jeune homme. Cette femme va signer un contrat, en fait, pour un changement avec un homme d'un certain âge. Et un autre homme, peut-être moins, beaucoup plus jeune, hein, beaucoup plus jeune. Alors peut-être qu'elle va signer un contrat avec, ça peut être son papa et son fils. Hein, vous voyez vraiment, mais en tout cas, c'est deux hommes. Cette femme va signer un contrat avec ces deux hommes. Donc, ouais. Ouais. Ouais, et puis on a la fin de cette situation, hein, d'une situation, hein, grâce à la signature d'un contrat. Donc, on a vraiment la fidélité et l'accord. Hein. D'accord. Donc maintenant, on va passer avec cette dame. On a les trois lunes. Alors, c'est quelque chose... qui va peut-être se passer dans les 30 jours là. On parle d'un imprévu. C'est quelque chose qui n'est pas prévu, hein, pour cette. On est toujours dans ces jeux, hein, dans ces énergies de jeu, hein, de. Ouais. Moi, je me demande si des jeux de chance, hein, je pense. Il y a peut-être un homme, hein, qui va vouloir. C'est dans les. J'ai l'impression que ça s'est passé dans les 30 jours. Là, on parle de lune. Hein. On vous dit attention, hein, s'il y a un homme qui veut s'amuser à faire jouer à des jeux ou à vouloir proposer des choses un petit peu qui ne semblent pas correctes à votre maman ou à votre grand-mère, attention alors. Hein. Y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, ouais, on parle vraiment de foyer, mais il va y avoir la force, et ça, on va s'élever par rapport à cet homme-là. Hein. On va vraiment s'élever, j'ai l'impression que quelqu'un, en fait, va comprendre, en fait, hein, que là, y a quelque chose qui se trame. Hein. Ouais, vous allez le mettre en échec, hein. Vous allez voir. Hein. En fait, là, en fait, il y a un homme, hein, qui va vouloir... embarquer votre maman ou votre grand-mère, hein, pour faire des jeux de chance. Ça peut se passer dans les 30 jours. Vous allez le mettre en échec, en fait. Donc, la personne qui regarde, là,
si c'est, vous allez mettre ce personnage en échec. Vous allez vous en rendre compte, en fait. Ah, c'est bien, super, hein. Et donc, par rapport à ce travail de bureau, on parle que cette jeune femme, en fait, a pu faire des économies, peut-être, hein. Donc, on parle d'hommes. Ouais, d'hommes, et puis on parle de lumière, de. J'ai l'impression de spiritualité aussi, de repos pour cette femme. Peut-être que cette femme a besoin de repos. En tout cas, c'est protégé, hein. De repos, ouais. Et puis peut-être qu'elle a eu une lumière sur un nouveau projet, hein. Ouais, elle avait, en fait, cette femme blonde, après, je ne sais pas si elle est vraiment blonde, hein. Vous n'êtes peut-être pas blonde, vous êtes peut-être un homme aussi, hein. Ça peut être ça aussi. Vous mettez vraiment ça par rapport à si ça résonne en vous, hein. On parle en fait que dans ce travail, vous aviez des soucis et vous aviez vraiment besoin de vacances. Ouais, de vacances. De longues vacances, hein, pour retrouver va votre paix et votre abondance, hein. Et apparemment, l'argent n'est pas forcément un problème pour vous. Mais là, vous aviez vraiment besoin de transformation, en fait, hein, j'ai l'impression. Alors, on est à 11 minutes. Ah, je suis désolée. Donc, on va essayer de faire de manière que ça dure moins de 15. Je vais tirer. Ouais, alors là, vous allez signer un contrat. Alors, je ne sais pas c'est dans quoi, hein, mais on vous parle de fête, hein. Alors, je vais tirer. Autres, on parle de fête, ouais, on signe un contrat en fait pour signer une rupture, hein. On va couper avec quelque chose, ça va être la fête. Peut-être qu'en fait vous êtes à nouveau seul, mais en fait là vous allez signer en fait peut-être un contrat de divorce. En fait, vous allez peut-être. Ouais, vous allez peut-être rompre avec eux et vous allez faire la fête. En fait, et puis ça va être un changement, mais peut-être de bonheur en fait pour vous et votre ancien conjoint et puis votre fils, hein. Parce qu'on dit que en fait ça va être la fête suite aux disputes. Peut-être que il y avait beaucoup de disputes. Ouais, on dit que c'est la fin des disputes, hein. Vous allez fêter ça, hein. Vous allez fêter en fait cette séparation-là. Donc, ah bah très bien. Donc maintenant, pour cette maman âgée ou cette grand-mère, alors quels vont être les messages? Alors, d'accord. Hop, on y va. Mes guides, mes anges. Pour alors, ouais, alors on parle bien d'argent, hein. Quelqu'un qui va vouloir ouais, voler, hein, mettre en perte, hein, financière, cette ancienne dame, hein. Ouais. Alors, on a peut-être un cadeau. Alors attention au cadeau qu'il pourrait faire en fait cet homme-là. Hein. Donc ouais, on parle bien de trahison, hein, mais vous allez avoir la force sur la trahison. Ouais, cet homme, attention, hein, il va venir, hein, il va faire un don, hein, peut-être d'argent. Il va vouloir manipuler là. Alors, donc faites attention, il va vouloir manipuler pour lui faire croire en fait qu'elle a une grande opportunité de gagner une grosse somme d'argent. Un jeu de chance, hein, il va lui proposer de toute façon un jeu, hein, quelque chose comme ça. Mais vous allez voir, hein, vous allez avoir de l'intuition. Voilà, vous allez avoir de l'intuition et vous allez le mettre en échec par rapport à ce vol, hein, à ce qu'il veut faire, hein. Donc maintenant, pour cette personne qui va mettre fin à son travail dans un bureau. Ouais, elle se sentait prisonnière en fait, hein, dans ce bureau. J'avais déjà vu en fait, elle avait besoin de vacances, hein, cette personne. Hein. Elle avait vraiment besoin de mettre fin à ce travail. Hein.
Alors, mes guides, mes anges, pouvez-vous me donner des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Ouais. Ouais, on parle que... Bah, elle va perdre... c'est une perte, hein, son emploi. Hein. Peut-être qu'elle va perdre son emploi, hein, qu'elle va mettre fin. Hein. Mais on dit que c'est pour de l'abondance. Elle va retrouver son bonheur, en fait. Hein. Donc, cette femme. Hein. Ouais. Donc, peut-être qu'elle va perdre son... On sait hein, que beaucoup, avec la situation qu'il y a eu sanitaire, peuvent perdre leur emploi. Mais apparemment, ouais, ça peut même passer en justice. Mais, ouais, il va y avoir de l'abondance. Elle va recevoir une certaine prime. Et elle va peut-être avoir... ouais, ça va lui permettre de renaître hein, professionnellement, j'ai l'impression. Parce que elle va avoir, je sais pas... une idée en fait qui va jaillir en fait hein. Alors mes guides, mes anges, on parle de nouvelles hein, avec certitude là. Alors une dernière carte peut-être hein. Bon, en tout cas oui, elle va avoir une idée en fait d'un projet professionnel, je pense, sur un nouveau projet professionnel qu'elle va peut-être mettre, elle va pouvoir le mettre en œuvre hein, parce qu'elle va peut-être recevoir une prime assez élevée en fait hein. Et puis, peut-être avec des aides hein, à la formation, tout ça en plus. Ça donne... Ouais, alors là, c'est une renaissance hein, pour cet été où ça va être vraiment abondant, vraiment de bonheur. Elle va peut-être même pouvoir se payer des vacances, cette personne. Hein. Donc, voilà. Donc, bah, ça va être tout pour ce tirage flash parce qu'on est déjà à presque 17 minutes. Hein. Donc, merci à nos guides et puis à nos anges de nous transmettre de beaux messages comme ça et puis bah, de bons conseils. Hein. Merci à vous aussi de me suivre. Merci beaucoup. Et puis, ben, surtout, ben, prenez soin de vous.